Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode d'eShade. La suite a été demandée par Shaki, et c'est même d'ailleurs Shaki44, merci à toi, qui m'a tout simplement fait penser que j'étais un débilus, qui effectivement, figurez-vous que dans ce jeu, on joue un peintre, enfin une peintre, et que donc, on peut régler beaucoup de problèmes juste en peignant des choses. Voilà. Donc, suite du let's play. Alors il y a une chose ou deux qui ont été ont changé parce que j'ai dû refaire une sauvegarde intégralement. Je sais pas pourquoi il voulait pas reconnaître ma sauvegarde. Je la mettais mais elle n'existait pas. Peut-être trompé de fichier de destination, peu importe. Donc il y a deux trois petites choses qui ont changé, pas grand chose. J'ai juste ramené les enfants. Enfin j'ai ramené le père à ses enfants et vice versa. Et j'aimerais là dans parler dans cette partie puisque j'avais fait du coup dans l'autre. Cette fois-ci empoisonner les pieds de thé, des racines là. Ou des chaises, je sais même plus. Bref, j'aimerais les empoisonner pour avoir la fin différente, quoi, tout simplement. Voilà, donc quoi qu'il en soit, pop. Just take a look at that! You've gone and painted my invention! Say, maybe this is just what people need to see to get them out here and interested in taking a flight! I've got it! How about you paint me and the balloon up in the air so people can get a real idea of how the flight will be? Okay. Great! I'll get ready for liftoff! J'ai dit ok, mais je suis embêté là. Celle-ci. Oui. On va prendre l'étendue. Hein. Non, c'est pas le bon. Plaît-il ? Ça devrait être bon, hein ? Ah, faudrait que j'attende qu'elle sauce. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Elle est où? Ah ouais, je suis rincé. Pas obligé d'attendre. Here, let me add some information on there. This will work. All right, that'll get people interested. Now, it's up to you to make sure the kind folks of Eastshade see that flyer. Put it up somewhere with lots of traffic. Oh, I'm sure you'll find the perfect spot, traveler. Alors, comptez sur moi, c'est parti. Donc déjà, c'est un let's play à pied, hein. J'ai pu comprendre que le vélo, hein. Le vélo, c'était compliqué. Le problème c'est que moi à pied j'ai tout ramassé, hein. La maladie Skyrim, hein. La maladie Oblivion, la maladie Morrowind, ramasse tout. Eh bien, il nous manque tout en fait, c'est vraiment ces montagnes à faire, hein. Sera bon. Tout est lié à ces montagnes actuellement, si c'est un sujet de bêtise. Sommet de Nava, c'est ça, l'élixir de vie. Donc les sources chaudes, à mon avis, la dernière est dans les montagnes. Ça, je sais pas où sont leurs vies. Enfin, j'ai pas réussi à l'utiliser. On a donc un autre dirigeable, allons accrocher une affiche. Un endroit où beaucoup de gens passent. Bien sûr, sur un de ces poteaux, ce serait parfait, mais. Et je pense qu'on va plus approcher ça côté marché. Ça devrait être plus côté marché. Un marché couvert. Thank you.
passe où? C'est pas ça? Ah oui, c'est vous qui faites la com. Inspiration, hein, parce que je suis pas ouf en inspi. C'est compliqué. What can I brew you up? Dans quoi toi? Tu t'es petit vrai. On peut faire un petit tour. Je te prends. Un endroit où les gens voient le. Je prends une petite affiche au-dessus de la torche pour pouvoir brûler ça. J'ai des idées. Des colonnes de la ville, non, vraiment, tu... Vraiment. Vraiment, on impose là. Attendons. Ah, attendons le jour. Bien. Vu que je suis à plat et qu'il va falloir que je paye, très probablement, c'est ça, mon truc. Allez, prendre du thé. Password. PIVRS. Come on in then. Alors le pays ou les pays, hein, parce que on n'est pas formel. Jean-Claude est tout le temps là en train de nous pousser là, avec son petit panier. En vrai c'est trop stylé ces petits paniers là. Petit panier qui flotte là. Je vois pas où est-ce qu'on va pouvoir lui mettre son affiche. C'est bien, je t'ai débloqué, maintenant je suis bloqué. Moins que dans le journal on nous indique position. On m'a demandé d'accrocher à un endroit très fréquenté. Très fréquenté, c'est la... c'est les deux places du marché.
de place du marché, je sais pas, pas énormément de place. Après, je sais pas si c'est à moi de l'accrocher maintenant. Ou si on va me dire, tiens, tu peux l'accrocher là. Est-ce que je peux le mettre en face de ce mur et sortir l'affiche? Ah ok, attends, je le remets. Le ballon ultime. Quel joli nom. C'est la meilleure. Donc petit tour au ballon. My old partner, the traveler, we've done it. That flyer really did the trick. I've just had a whole group of adventurous folks looking to take flight. Say, you really saved my invention. How'd you like to take a ride up to the mountaintop? Avec plaisir. That's the spirit. Hop in, pal. En refaisant le jeu, j'ai pu observer aussi le riflant. Je trouve que le riflant, il y a un soin qui a été. Ça a bénéficié de moins de soins que la région première dans laquelle on est, à Lindo. Je trouve vraiment c'est très désert. Il y a aucune cité en vrai dans le riflant. Il n'y a rien. 3 PNJ, c'est un peu à l'abandon. Les finitions sont pas terribles. Alors que cette région-là est superbe. C'est que j'espère que là où on va, là où on est, il y a quand même quelques petites choses intéressantes et bien faites et pas juste encore une tierce zone un peu abandonnée. Golly, here we are! Even more spectacular than I always dreamed. Feel free to walk around and take in the sights. I'll take you back down when you're finished. Parfait. C'est parfait. Donc normalement là on doit avoir un sommet avec une source chaude. Et le sommet où je vais pendant. Ah, j'ai toujours pas ma commande de peindre des montagnes enneigées.
Parce qu'il veut pas me les prendre à chaque fois, donc il faut que j'en prenne une d'ici. Mettons là. Ouais, ils sont raides tes marchands. Succès déverrouillé avec tes speaks. Et là, je fais la petite descente en vélo. Insupportable. Tellement insupportable. Ready to head back? Alors c'est gentil de me proposer de passer la cinématique. Je le maintiens en gros, de l'écran comme ça. Mais oui, on peut passer, effectivement. Ah, c'est accéléré, hein. Ok, c'est rigolo. Bon, on passe un peu de sortant de bière, quand même. Voilà, madame. Madame de Bugaï. Un film d'épouvante subitement. Téléportation, ma bonne dame. Thanks again for all your help. There's nothing so exciting as bringing people on a great adventure. Just let me know if you need another lift to the mountaintop, pal. Voilà. Et je trouve que c'était très beau de nuit. Voilà, je l'ai pas vu de jour, mais je le regrette même pas. Très beau de nuit. Ceci étant fait. Combien j'ai d'inspiration? C'est bon, largement assez. Nous allons pouvoir boucler un certain nombre de choses. Donc définitivement les vignes des racines ou des chaises, là, je sais pas où c'est. Ça me casse les pieds. Bon, là on peut se prendre un petit vélo quand même. Hein. C'est pas que je vous aime pas là, mais regardez un petit vélo. En plus j'ai réduit l'angle de la caméra, donc normalement... Ça devrait être beaucoup moins agressif comme conduite. So, Zara has you running around the island like some sort of a unpaid assistant. I know how remote some of those hot springs are. It was no small task. And to think, you won't see a single glowstone for all your trouble. What a pity for you. But the biggest waste here is how utterly pointless your task was. It's just astounding how much energy you cynics waste all to crush the happiness of believers. Or maybe it's to prove to yourselves that you haven't been missing out on something wonderful, which you have. But I'm no psychologist, I'm just a merchant. Don't mind me.
I just bring life and joy to a city full of happy customers. Listen here. I will give you 200 glowstones if you give me those hot spring samples and never say another word to Zara. Mais bien sûr. Absolutely not. I'm trying to save myself the public relations nightmare Zara is trying to cause with all her nonsense. I know my elixir extends life, as surely as I know the moon will hide the sun tomorrow. But I also know Zara's science won't find anything special in the spring water that will explain it. Or maybe those university snobs don't know everything. Maybe there's something more to that water, something they can't see with their microscopes, something they don't understand. But just because they can't see it with their fancy tests, that doesn't mean it's not magical. You have to trust me on that. So, are you going to take the glowstones or not? Alors, il a pas tort puisque visiblement on est tombé sur un vieux qui vivait dans sa source de chaude et qui ne sentait de jamais mourir alors qu'il n'en sort jamais du coup. Il mange pas. Il fait rien quoi le mec. Il fait rien de sa vie à part lire des bouquins. Donc, il y a peut-être quelque chose de magique dans ses sources. Mais, quoi qu'il en soit, nous on a besoin d'accéder en haut. Donc, en fait, on est obligé de lui dire. You and Zara are going to rob so many people of Eastshade's greatest gift! Non, je vais descendre, ça va vous faire vomir, ça. Ça, je sais que c'est compliqué. Ah, la musique est tellement forte, j'ai goût l'avoir baissé. Enfin, mon micro est super bas, faut dire aussi. Zara, mais là, je crois que je suis derrière. A fine day for science. How's the hot spring sample collecting going? J'ai 5 échantillons. You do? Fantastic! That can't have been easy. I understand that some of those hot springs are quite remote. Oh, I can't thank you enough. I'm going to get right to analyzing it. It shouldn't take long. Come back in an hour if you want to see the results. This could really put that con artist out of business. Okay. Est-ce que je peux escroquer le jeu? Est-ce que je peux arriver à faire équipement? Prendre une de mes tentes? Non, le jeu ne veut pas. Le jeu il m'a dit non, tu prendras pas une de tes tentes. Bon. On va faire un petit tour à l'auberge vite fait. On va passer en mode jour d'ailleurs, tant qu'à faire. Décidément, entre les vidéos pluie et les vidéos nuit que je propose en général, absolument incroyable. Let's play jour est devenu compliqué. Heures de sommeil. Non, deux heures, c'est ça, 2 heures de sommeil, 3 heures, je sais plus. Bon. Faut pas être trop exigeant, quoi. De toute façon, j'ai pris du thé de drogué, donc normalement c'est bon, on tient debout. De me demander quel aurait été le dénouement de la quête si j'avais donné les échantillons à l'autre gars. Est-ce que j'aurais pu retourner chercher des échantillons en allant lui parler, en lui disant ouais j'ai donné des échantillons, machin, tout ça. Est-ce que ça mettait fin irréversiblement au truc? Est-ce que j'étais bloqué, que je pouvais plus accéder à la tour? Ouais, j'aurais été curieux de savoir juste comment ils avaient conclu cette quête là pour qu'on puisse accéder au sommet. I do love working here in the university.
Even though my senior professor Esmer can be a bit eccentric at times, you'll never guess what I've found. The hot spring water is special. It's full of minerals. There's one mineral in particular. I can't quite match its particle shape to any other known minerals. It may be a new discovery. More study is needed, of course. I can't thank you enough for retrieving these samples for me. This could be an important contribution to science. Alors, l'élixir est vraiment efficace. Oh, yeah, that. No, definitely not. Melek's elixir doesn't even contain trace levels of hot spring water. It's just city rain water, the stuff we all drink every day. Definitely. I did some sample comparisons. Seems like he mixed other things in, sweeteners and flavorings by the looks of it. Anyway, definitely not the stuff from any of the springs. Totally different mineral profile. I'll be taking this report straight to the Shadian Post. I know a reporter there who will be very interested. Thank you so much for all your help. We've really done some good here. Ok. Bon bah voilà. C'était un escroc, évidemment. Sorry, you can't go up there right now. We're doing some renovations. Well, you need a pass. Any official from the university should be... If you're here to visit... Have a good one. Pardon. Oh, it's going to be another late night. You'll never guess what the hot spring... I can't thank you enough for retrieving these samples. What? Oh, yeah. Definitely. I'll be. Liqueur, si tu veux. Passage d'accès. Oh, that's right. Here you are. From the hot spring. I can't thank you enough, Mont. Definitely. I'll. Medva is an old Bearfolk family name. From what I've heard around town. Ah oui, bah ok, d'accord. Je l'avais résolu sans passer par elle du coup, parce que je connaissais déjà le truc. Donc je t'allais voir l'ours directement. Sorry, you can't go up there right now. Oh, go right ahead then. Just be careful, okay? There's a lot of folk on scaffolding. Have a good one. Okay. Bon, bah là, on fait un peu ce qu'on veut, hein. Un garde pour un mec qui bosse. Ah, ils rigolent pas sur la sécurité, les mecs. Bah, j'aimerais beaucoup qu'on nous en fasse un deuxième comme ça. Avec plus de moyens, plus de temps, avec une vraie cité, une vraie construction. Enfin voilà, avec des vrais moyens. Voilà. Un peu moins rigide, un peu plus ouvert, je sais pas. Ces petites maisons paraît dommage qu'on rentre dans aucune d'entre elles parce qu'elles sont très jolies. Les colombes de table. Ici, avant de quitter Ishade. Ce qui fait que du coup, malheureusement, je vais pas pouvoir plier le commandement de Tienne. Hein. Je vais devoir à la fin de ce club. Welcome back! We've got plenty more patrons interested in your work. Pas d'autres commandes ont été bouclées.
Capitaine Shade et le commandement de Tiep. On va aller voir. On va aller voir les junkies. Avant de quitter le camp. Pas là à quel point je prends mon vélo là. Là je prends mon vélo là. Habituellement je prends mon vélo. Parce que ça va tellement vite. What's the password? Come on in then. Founders of the Roots believed that dream teas were... Would you like to select it? Sleep well. Could I have this vial? Farewell. I just can't believe they would try to... Farewell. Oh, je suis allé trop vite. Il y a des choses qui ont flotté contre eux. Ah! Oui, d'accord. Voilà. Fin de la quête. Merci d'avoir joué. Mais je trouvais pas leur culture de thé. L'histoire. Ainsi, nous quittons Ishade. Petit tour à pied ou petit tour en vélo? Come get your latest issue of the Shadian Post here. Ah, si, vous manquez une chose. Allez chercher le journal. Évidemment. On va aller se prendre le dernier journal. Et alors si quelqu'un a la moindre idée de ce que sont les deux succès cachés... Bah écoutez, je les veux bien, je veux bien savoir ce que c'est... Pas de les comprendre déjà. On permettra tous de les connaître et de les avoir, parce que je viens de voir encore une fois. On va sûrement mettre un peu le fun let's play d'Ishade sur YouTube. Si on peut essayer d'avoir un 100% pour tout le monde, ce serait bien. C'est pas le jeu qu'on dit pour un 100% de jeu. Knowledge is power. Stay informed. Come pick up the latest news here. Ah, j'ai déjà. Ah, donc il faudrait aller dormir. Greetings. I have a message for you from North Seas Shipping. Safe travels. Pour les transports de mer des mers du Nord, nous devons présenter nos excuses pour les désagréments dans le naufrage récent du navire l'Annabelle. A titre de dédommagement, nous vous prions d'accepter un billet retour gratuit. Vous serez libre de prendre place à bord de n'importe lequel de nos navires en partant de l'île. Soyez assurés que des mesures ont été prises afin d'améliorer la fiabilité de nos navires et que les protocoles de sécurité ont été mis à jour en conséquence avec nos plus sincères excuses pour les transports des mers du Nord. Pas de signature, pas de tampon. Ah, possible. Ça va. On passe.
à casser la porte. Je casse la porte. On se fait un petit tour de sommeil comme ça. Un petit tour de cadran. Récupérer le dernier journal, je pense. Et on sera bon. J'ai un problème avec cet instrument de musique. Celui qui vous chante sa petite chanson dans son crampon. Ça, c'est une guitare, un son de guitare. L'autre a plus un son de piano. De potions à prouver que ces potions les plus puissantes étaient les gagnes. Non, ça c'est Kaïk, c'est pas bien. Élixir de la gazette. Voilà, un élixir de victoire, un élixir de mensonge. Rester calme, oui. C'est un stupéfiant coup de théâtre pour d'apprendre que le breuvage le plus apprécié de notre réalité des détentes de l'escroquerie. Les recherches scientifiques poussées ont permis d'établir avec certitude que le tir ne peut en aucune manière prolonger la vie. Cette information dévastatrice a été révélée par Sarah, une chercheuse de l'université qui a fait le nombre de tests sur le liquide aux prétentions fallacieuses. On ne peut que saluer cette attention pour les détails, mais la cité espère désormais avec anxiété trouver un moyen de remplacement à l'opéra de l'Empire, si cruellement d'être pris. C'est par contre l'échoppe gâtrice de vie. On trouve que son maître petit qui rachète un peu de tout à prix honnête, ce qui est un peu fourre-tout, diront certains vous pouvez y présenter, vous s'y planter avec vos bâtons, vos bougies, quoi que ce soit qui traîne dans un coin chez vous. Et vous recevrez quelques budgets en échange. Cette substitution vous aidera à venir à avoir une vie. Mais en croire le propriétaire de la boutique. L'établissement qui apportait autant d'espoir. Et mon rêve à moi, c'est que les gens, les plus pauvres, puissent se débarrasser des choses dont ils n'ont pas besoin. Et la véritable foule me fait plus heureuse. De bien sages paroles. Je sens que c'est un monsieur qui achète tout à lui. Alors tu Well, look what you've done. You've run me out of business. By tomorrow, I'll be out of here. And some junky shop nobody wants will take my place. Get lost! D'ailleurs, je suis désolé, mais pas beaucoup plus que ça en vrai. Welcome back! We've got plenty more patrons interested in your work. Un peu long, faut dire c'est le dernier. On peut se permettre, hein. On peut se permettre d'avoir des épisodes un petit peu longs. Thank you.
Ah non. C'est pas celui à qui je pense. Le vent de poche à fleurs, notre ficelle. La cire, j'en ai 29 sur 31. Alors là, il y a embrouille. Parce que, où sont les dernières? Moi, je vais me fâcher, hein. Je sais qu'il y en a une qui est, semblerait-il, buggée, que je peux pas ramasser. Et ça me contrarie énormément. Eh bien, je n'aurai pas les 31 bougies. Ce qui est triste. Certains diamants les sauvent. Il y en a une qui est dans une étagère que je vois, qu'on ne peut pas sélectionner. Je n'ai pas du tout la sélectionner. J'ai essayé en sautant, etc. Mais j'avais pas de téléphone pour la frapper. On va savoir. Donc, si vous avez l'information. Je vais même pas vous dire de bêtises d'ailleurs, j'aimerais savoir si j'ai retrouvé exactement toutes les bougies que j'avais, c'est-à-dire que là j'en avais 29. Alors il y a deux endroits que j'ai pas trouvé. Côté toutes les quêtes, il y a une quête que j'ai pas trouvée. C'est fou ça, il y a une quête que j'ai pas trouvée. Et ah, j'ai une quête, il y a deux bougies que j'ai pas trouvées là, alors que j'en avais trouvé 30 sur 31. Bizarre. Là, back, leave Ishade, ok. Ah, c'est marrant, il y a quand même quelques... Donc il y a une quête dans ce jeu, que je n'ai pas faite. Je me demande si c'est la vue de cette jeu là qui est annoncée là-bas. Là. Ah oui, on va tout. Hello, good friends. Après, je pourrais tryhard avant de quitter Ishade, je pourrais tryhard justement essayer de voir si je trouve sur internet au fond les 31 bougies, comme ça je vais les récupérer, celles qui me manquent. Il y a ça que je pourrais faire, mais je pense que je le ferai dans un prochain épisode, je vais sauvegarder là. Ah, la quête qui manque, ça serait pas la tienne. Mais non, on peut plus me demander. Non, on peut plus. Parce qu'en fait, dans cette, pareil, dans cette partie-là, ce que j'ai fait, c'est que bah, le père est toujours là et l'enfant est toujours quoi quoi. Je me demande si c'est pas ça la quête qui manque. Ah. Ou alors, je me dis que la quête qui manque, c'est sous un peu. Super. Heading back to the mainland? Do you already have a ticket or are you looking to... Oh, you were on the Annabelle. Terribly sorry about that. Do you wish to board now? You don't have to take this ship. There are many coming through, all going to the mainland. Your ticket is valid for any North Seas shipping vessel. Once you board, there's no turning back.
You'll be mainland bound. Are you done with all your business here in Eastshade? We've got you in the very best room. Go right ahead. Have a nice trip. Là, je dois découvrir en fait. Genre là, il y a des arbres rouges. La fin du jeu. Voilà, plein de choses. Salut ma vieille amie, j'espère que tout va bien pour vous. Ici les affaires sont florissantes, mais je ne serai jamais arrivé sans vous. Je me prépare pour un voyage vers l'archipel. Le premier vol par-dessus les mers. J'espère que vous pourrez préparer un peu le terrain pour moi, histoire d'assurer ma promotion pour que plein de monde vienne assister à mon atterrissage. Je vous souhaite plein de belles choses. Citation, ici le garde forestier du parc national de l'ombrage d'Ishade. Je ne sais pas trop si cette lettre arrivera jusqu'à vous, le monde est si vaste après tout. Elle finira sûrement par se perdre, mais bon, je sais quand même, les Renardos se portent beaucoup mieux. Ils sont sortis de leur caverne et je suis tombé sur un autre groupe qui vit près du grand arbre. De plus en plus de gens s'intéressent au parc et aux Renardos. Et c'est vraiment grâce à vous, merci à l'air de Kestra. On vend désormais ces petites cartes postales car les Renardos attirent beaucoup de monde dans la forêt. Je me suis dit que vous en voudriez probablement une. Prenez soin de vous, le garde forestier Victar. Ah, je pense qu'il y a au moment où ils ont fait la petite trappe du jeu, ils ont inversé. Hein, genre, ça c'est d'être la carte du forestier. Et bon voilà. L'envol ultime évidemment. J'ai quoi? J'ai demandé à Mudwillow de m'aider à écrire cette lettre. Je dois encore étudier votre langue pour mieux la connaître. Je suis heureux de vous avoir rencontré et d'avoir partagé ma maison. J'espère que tout se passe bien dans vos explorations. J'aimerais mieux connaître l'endroit où vous vivez. N'hésitez pas à m'écrire, surtout si vous le pouvez. Je vous souhaite bonheur et réussite, mon ami. Je vous dis au revoir car ma lettre est finie. Alero. C'est qui Alero? Je l'ai même plus en tête. Bon, c'est Alero. Ah, c'est une étoile que j'ai faite, ça. Ah, ça a accroché l'étoile que j'ai gardée. Lol. Ah oui, je suis revenu. Ah, d'accord. Ouais, la caverne qu'on avait prise, etc. Ah ouais, donc... j'aurais pu peut-être revenir avec beaucoup plus de toiles. Oh, faut que je leur fasse ça.
juste pour savoir si j'ai un garde-toile. Le petit dessin du jeune homme, de la jeune fille plutôt, excusez-moi. Cher Knarfang, tenez à vous remercier pour avoir partagé votre savoir avec ma fille Sandra. Elle passe ses journées à peindre et nos murs sont déjà presque entièrement recouverts de ses œuvres. Elle s'est également mise à enseigner la peinture à d'autres enfants et elle espère pouvoir un jour voyager comme vous. Merci d'avoir partagé votre inspiration. Cher Knarfang, merci de m'avoir appris à fabriquer des toiles. J'ai rencontré une autre peintre et elle m'enseigne à faire des tableaux encore plus beaux. J'espère que votre voyage pour rentrer chez vous s'est bien passé et que votre nouveau bateau n'a pas bougé. Salutations voyageuses, je suis assis. J'ai appris que vous aviez regagné le continent. J'espère que tout va bien pour vous, Bohan. Ouais. Je sais pas si c'est d'hier ou Bohan. Repense encore souvent aux conversations que vous avez eues avec lui, et cela nous a donné envie d'avoir de vos nouvelles. Je n'aime pas trop écrire, mais je souhaiterais savoir si vous avez fait du radeau dernièrement, et si vous avez eu l'occasion de manger des gâteaux de limaces. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais j'imagine qu'il doit s'agir d'une spécialité de votre région natale. Honneur et bon. Excellent. Excellent. Donc le garde forestier du Port Nigel, vous souvenez de ces graines que vous avez récupérées pour moi. Je pensais qu'elles seraient fichues compte tenu de leur âge, mais elles ont germé. Cette plante est évidemment invasive, alors n'allez pas la propager n'importe où. Le garde forestier Victor. C'est ça? Ok. C'est suspendu dans le vide, hein. Je dirais rien. J'ai parlé aux autres membres des racines de l'attaque planifiée par les chaises et de l'avertissement que vous nous avez donné. En conséquence, nous avons le plaisir de vous nommer chef honoraire des racines. Votre honnêteté et votre dévotion à la préservation de nos traditions sont fortement appréciées. Acceptez, je vous prie, cette amulette en remerciement de vos actes ayant permis la préservation de notre communauté. Rêvez en paix, les racines. Oh, on peut s'asseoir. On peut vraiment s'asseoir. Trop bien. Trop bien. Chaque Knarfang, ce fut vraiment un plaisir de vous rencontrer et de vous héberger dans notre petite ville. Je tenais à vous remercier encore une fois pour le tableau. Il a fait beaucoup d'effets ici. Certains commencent déjà à en parler comme d'une attraction touristique. Je tenais également à vous envoyer un échantillon de mon nouveau mélange de thé. Vous m'en direz des nouvelles. Nika, de l'auberge du Cantou. À Lindo, bien sûr. Évidemment. Enfin, je doute que vous vous en souveniez, mais nous nous sommes rencontrés dans ma tour après votre indélicate intrusion au beau milieu de la nuit. Et après avoir quitté Ishei, je me suis rendu sur l'archipel chilien et j'ai appris que vous y résidiez également. Au cours de mon séjour, j'ai eu la chance de lire l'ouvrage que vous avez mentionné, celui qui encense mon travail, et j'ai également pu rencontrer quelques architectes locaux. Je n'irai pas jusqu'à les appeler des amis, mais il nous arrive de passer du temps ensemble à discuter de bâtiments ou de hauts arts. Ou de hauts arts, puisque du coup, pour le coup, de hauts arts, ouais. Toujours est-il que, pour des raisons qui m'échappent, l'un d'entre eux est tombé amoureux de votre tableau de Lindo. Je souhaiterais de ce fait que vous fassiez une représentation de son propre travail, si la chose vous convient. Nous nous reverrons peut-être bientôt, Azad. TP tout le temps. C'est bizarre ce qu'il me fait. Chaque fois, Francaille et moi souhaitions nous excuser pour la bien prêtre image que nous avons pu avoir de nous. Nous étions vraiment au fond du trou, mais grâce à vous, nous sommes parvenus à reprendre le contrôle de nos existences. Il n'y a rien que nous pourrions vous offrir pour vous rendre l'appareil, mais j'espère que vous accepterez ces quelques douceurs, ainsi que notre plus profonde gratitude, Kalen et Kai, apothicaire Kainka. Ok, voilà. Fin du jeu. Donc voilà, si vous savez c'est quoi la dernière quête que j'ai ratée, si vous
Ah, ils étaient peut-être les trucs de l'académie, là, des ours sur leur caillou de glace, là. Je suis allé un peu vite, mais il y avait peut-être un truc à cet endroit-là. J'essaierai de voir si je peux avoir la liste intégrale des bougies. J'essaierai de vous recharger ça, d'avoir une partie où on collecte toutes les bougies. Et bah, en attendant, écoutez, je vous remercie, c'était Knarfang, et je vous dis à la prochaine. Ciao.